Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne Lady Michel. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai décoré la chambre parentale. Là, je vous montre un peu l'état de la chambre et je vais tout débarrasser, tout ramasser, jeter ce qu'il y a à jeter. On se retrouve le lendemain matin. Je commence par retirer les supports à rideaux blancs qui étaient là parce que je veux mettre des noirs et je veux les mettre un peu plus haut. Donc c'est ce que je vais retirer les anciens et boucher les trous. Là, je débarrasse encore une fois de plus. Je donne ce que j'ai à donner comme les rideaux qui étaient là. Je les détestais, je les aimais vraiment pas. Mais on les avait pris vraiment sur le rush pour pouvoir avoir des trucs à mettre sur les rideaux quand on a déménagé. Donc ça, tout ce que vous voyez là, c'est à donner. Donc je trie tout ça. Je vais mettre à donner. Là, je vais balayer, je vais laver. Ensuite, je vais déplacer le matelas et le sommier pour pouvoir monter le lit. J'avais commandé mon lit en décembre et on me l'a livré qu'en fin avril. C'est pourquoi j'étais un peu obligée de m'en trouver avec, de dormir juste sur le sommier et le matelas parce que j'avais commandé mon lit, mais il n'arrivait pas à temps. Donc, vous allez voir, j'ai un peu galéré à monter le lit, mais je m'en suis très bien sortie, je trouve. Ça m'a pris du temps, comme le dressing, mais c'était beaucoup plus facile à monter.
pour la petite histoire, le drap avec lequel je vais faire mon lit, c'est un drap queen que j'avais fait faire lors de mon dernier séjour au Cameroun. Mais entre-temps, j'ai changé de lit parce qu'avant, j'avais un queen. Là, je suis passée à un king. Du coup, il ne va plus avec mon lit. Et là, je vais refaire toute ma literie. Ça fait beaucoup d'argent. Alors, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a inspiré ou vous a donné quelques idées, je ne sais pas. J'espère qu'elle vous a aidé. Je vais compléter certainement la déco avec le temps, mais le plus important est déjà là. Donc, ce serait facile de compléter de ci et là. J'espère que cette vidéo vous plaira. Merci de me laisser en commentaire vos avis, des likes. Portez-vous bien. Bisous.